Bonjour Lionel Giovannelli. Bonjour Vicky. Alors vous, vous êtes chef de projet Exosquelette. Alors à quoi ça sert et surtout comment ça marche ? Alors l'exosquelette fait partie de la famille des nouvelles technologies d'assistance physique. Donc ça, c'est un dispositif d'assistance physique qui permet d'assister l'agent dans des tâches qui sont physiquement contraignantes. Quand on se rend compte qu'un agent porte une charge de 11 kg, une semelle de frein, et puis ça le fait marrer parce qu'il sent le poids mais il ne force pas, ou un autre agent avec une charge de 30 kg dans les bras, il jouait avec de monter les bras et descendre, il disait à ses collègues, et regardez, je ne force quasiment pas. Donc il y en existe de deux sortes. Alors le nôtre, c'est une version passive, il n'y a aucun moteur, il n'y a pas d'énergie, si ce n'est des lames en fibre de verre qui font office de ressort. Donc les bénéfices pour les agents sont vraiment évidents, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors ça c'est clair, donc on est en train justement de le mesurer à la fois avec des mesures physiques et biomécaniques, mais aussi avec des questionnaires, parce qu'il y a toute une notion d'appropriation et d'acceptation de ces nouvelles technologies qui là pose quand même question, puisqu'on ne connaît pas pour l'instant les effets à long terme de ces technologies, donc il faut être prudent. Et c'est toute la démarche qu'on a cadrée et qu'on met en place au niveau du matériel. Merci à vous. Merci. Merci.